Dans notre corps, un organe est essentiel pour nous éviter une intoxication générale. C'est le rein. Alors le rein, on sait tous à peu près ce que c'est. C'est notre centrale de tri des déchets. Ce que l'on sait moins, c'est comment il fonctionne précisément. Et c'est plutôt dommage, parce que pour soigner correctement un organe, encore faut-il en comprendre son fonctionnement normal. Nous possédons tous deux reins reliés à la vessie par deux conduits appelés uretères. L'urine s'évacue des reins vers la vessie en passant par ces conduits. À l'intérieur du rein, l'urine passe sur des cellules très particulières, les cellules tubulaires, qui trient ce qui doit rester dans l'organisme de ce qui doit être évacué. Enfin, si on zoome très précisément à la surface de ces cellules, on trouve une sorte de petite antenne relais. C'est le cil primaire. Et c'est ce cil que j'étudie. Alors quand l'élimination se passe bien, l'urine passe sur les cellules tubulaires, ce qui entraîne la courbure du cil primaire, un peu comme un roseau dans un cours d'eau. Mais il peut arriver qu'un uretère se bouche. Et là, l'élimination s'arrête. Et là, surtout, on a un très gros problème. Parce que quand un uretère se bouche, ça fait comme un tuyau d'arrosage que l'on serre fort à son extrémité. Le débit s'arrête, d'accord, mais surtout, le tuyau gonfle sous la pression. Eh bien, pour le rein, c'est la même chose. Il se remplit d'urine, gonfle, les tissus se déchirent, et comme ça stagne, les bactéries prolifèrent. Quant au cil primaire, comme il n'y a plus de courant, eh bien, comme le roseau, il se redresse. Alors pour m'aider à comprendre le rôle du cil, j'ai le renfort de petites collaboratrices à moustache, des petites souris. Certaines sont tout à fait classiques, d'autres transgéniques. Elles n'ont plus ces fameux petits cils à la surface des cellules tubulaires. C'est un peu comme lorsqu'on veut comprendre le rôle d'un rouage dans une machinerie plus grande. On l'enlève et on regarde ce qu'il se passe. Eh bien moi, je bouche l'un des uretères de ces souris et je regarde ce qu'il se passe chez les souris normales et chez les souris qui n'ont plus de cils. Et j'ai découvert un phénomène fascinant. Lorsque le cil se redresse, il envoie un signal d'alarme qui alerte le système immunitaire. Les cellules de l'immunité attaquent les bactéries qui se sont infiltrées dans le rein. Après la bataille, comme le rein a été endommagé, il travaille à se reconstruire. C'est le phénomène de cicatrisation. Et vous savez, une cicatrice, c'est un tissu qui va être plus rigide, de moins bonne qualité, plus épais. Eh bien pour le rein, c'est tout pareil, sauf que cette cicatrisation-ci est particulièrement grossière. Et elle la transforme en une forteresse rigide et tortueuse qui le protège contre les bactéries encore infiltrées, mais non repérées. Quand on pense au cil, on s'imagine quelque chose de tout petit, de fragile, d'insignifiant. Alors qu'en fait, non, il protège le rein, il est le chef d'orchestre de toute sa défense. Il réorganise les rôles de tout le monde. Et j'espère que la connaissance de sa fonction mènera d'autres chercheurs à comprendre cette fois-ci son fonctionnement anormal. On sous-estime souvent ce qui est petit. Comme quoi, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Thank you.